Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale. J'ai eu quelques petites idées. Attendez, je ferme ma porte. Pour nos fonds Halloween. Donc, on va faire des fonds, mais pas nécessairement dans des colos. Je vais peut-être utiliser, bon, des feuilles blanches. J'ai imprimé ce colo-ci, un vieux colo là, que j'avais dans mes débuts de chaîne. C'était sur Etsy que j'avais acheté ça. C'était de Annie Coloring, je crois bien. Je vais vérifier, je vous mettrai en barre d'infos. J'ai aussi sorti mon livre, mon vieux livre de Jasmine Beckett-Griffith que je garde pour faire des tutos ou des tests. Donc, on va peut-être s'en servir. Et j'ai aussi sorti mon livre de tests de Magical Down. Donc, on fera des tests peut-être aussi dans ce livre-là. Donc, j'ai plein de petites idées dans ma tête pour Halloween. Donc, on va se servir de plusieurs médiums aussi. J'ai sorti ma palette pour la peinture acrylique. Donc, on va commencer avec la première idée que j'ai. Et là, les amis, pour ma vidéo, faut pas avoir peur de salir les mains parce qu'on va se salir. Je me suis dit que des fois, quand on a des gros fonds, là, vous savez, des fonds là, qui sont vides, il n'y a pas rien dans les fonds, on ne sait pas quoi faire. Donc, on va essayer d'en trouver un exemple. Je ne sais pas si on va trouver dans la semaine, par exemple, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Actuellement, remplit bien ses dessins. Sinon, on va le faire sur la feuille blanche. Là. Mais vous savez, des fois, on a des colos qui n'ont pas de fond du tout, puis on ne sait pas quoi faire dans le fond. Puis, mettons, on fait un dessin d'Halloween, puis il y a, je sais pas moi, un vampire, mettons. Mais il n'y a pas de fond. On ne sait pas quoi faire. Donc là, on veut mettre un peu de sang. Hein? C'est un vampire. Donc, j'ai eu une idée. Vous savez, si vous avez des enfants et que vous avez envie de les faire participer un peu à vos colos, ils ont toujours envie de participer, puis des fois, ben, on ne veut pas parce que... on veut pas qu'ils maganent nos livres. Donc, vous pouvez utiliser les mains de vos enfants. Et là, pour ceci, je vais faire appel à ma fille et elle va trouver ça super drôle. Elle sait pas. Je vais l'appeler. On va voir si elle veut. Donc, je vous reviens. OK. Bonjour, Maggie. Bonjour. Est-ce que ça te tente de m'aider dans ma vidéo? Oui. Va falloir que tu te salisses les mains. J'ai de la peinture acrylique rouge. Oui. Et là, tu vas me donner ta main. Je vais peinturer ta main, puis tu vas la mettre sur mon colo. Okay? OK? Ça te tente-tu? Oui. OK. On va prendre un pinceau. Oups! Et là, hein, c'est pas toxique, les amis, la peinture acrylique. Juste hein, superviser. On les laisse pas se beurrer tout seul. sinon, si vous n'avez pas d'enfant, utilisez vos mains à vous. Mais moi, c'est parce que je veux des plus petites mains. Donc, je vais prendre les mains de ma fille. Tu trouves ça le fun de faire ça? Oui. Donc, on va peinturer la main de Maggie et ensuite elle va coller sa main comme ceci dans le colo et ça va nous donner une empreinte de main rouge. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de faire ça dans nos colos et ça fait participer nos enfants. Et ne vous inquiétez pas, ça part, la peinture acrylique, ça part à l'eau, hein, ça se nettoie super bien. Juste faites attention de ne pas prendre des produits qui peuvent être dangereux pour la peau. Donc, on peinture notre enfant. Et là, on n'a pas besoin d'être la perfection. Il hein? Faut le faire rapidement parce que sinon, la peinture, elle va sécher. Et là, quand vous allez vouloir imprimer la main de votre enfant, ben ça va pas marcher. Ça peut vous faire un beau souvenir aussi. Hein? Donc, peut-être que j'ai pas inventé le concept. Je le dis. Hein? Quand même. Mais bon, j'ai eu cette idée-là, puis je me suis dit, je vais le partager en vidéo. Donc là, Maggie, tu vas tourner ta main, et là, je vais la placer, c'est mon pochoir. Donc, tu vas juste la déposer sur la feuille. Et là, tu l'enlèves délicatement. Je colle. Tadam! Donc là, je vais faire un lavage de main, et je vous reviens. Donc, voilà, les amis, ce que ça donne. Donc, vous pouvez en faire plusieurs et hein, ça va amuser vos enfants. Vous pouvez même faire des pieds si vous en avez envie. Et puis, ça fait un beau souvenir dans vos colos. Vous allez pouvoir dire, ah, ça, c'était la main de ma fille ou c'était la main de mon garçon. Donc, ben je trouve que c'est cool. Je vais sûrement l'intégrer à un moment donné dans un de mes colos pour cette année à l'Halloween.
Donc, un petit fond rapide, vous en faire plusieurs. Vous pouvez venir mettre, bon, vous prenez votre pinceau, vous venez vous rajouter quelques petites taches de sang comme ça dans le fond. Donc, un petit fond assez rapide qui vous fait un beau souvenir, qui vous aussi vous fait faire une activité avec vos enfants sous supervision, hein, bien sûr. Donc, pour faire les petites taches de sang, hein, on s'applique pas, on peut faire ça tout croche, venir faire des petites taches comme ceci avec notre pinceau, avec de la peinture acrylique. Donc voilà la première idée que j'ai eue pour faire un fond rapide pour Halloween. Ensuite, pour faire, mettons, de la brume dans un colo. Hein, je vous avais dit que j'allais vous faire ça. Donc, on va prendre une image de Jasmine Beckett Griffith. Donc, on va prendre un colo qui est déjà fait. Hein, on s'en fout un peu. Ça, c'est mon livre de test. Donc, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Et là, j'en ai-tu un colo qui est fait? Bon, vous voyez, on va prendre... Ah non, je peux pas prendre lui. J'en ai besoin pour quelque chose ce mois-ci. Bon, on va prendre mon vampire, là, qui est déjà en couleur. Donc, voilà. Alors, peinture acrylique, si vous en avez. Sinon, vous pouvez utiliser des Posca. Tout simplement, vous prenez des gros Posca. Ou même des pinceaux là, comme ça, là, de peinture acrylique qu'on peut trouver chez Dollarama. Et vous allez voir que c'est tout simple, faire un effet brume dans vos colos. Donc, on vient colorier en petites lignes. Et après ça, on peut venir juste tapoter ou étirer les petites lignes blanches que vous allez faire. Donc, vous venez juste les étirer comme ça. Vous pouvez vous en faire des petits, comme ça, en ligne. Ou vous pouvez en faire des plus grosses. Donc, vous venez colorier et on n'attend pas que la peinture sèche. Hein. On doit venir tout de suite la travailler. Là, ça, c'est peut-être pas le meilleur crayon. Là. Il va pas super bien. Donc, vous voyez, je vais me faire une grosse tache et je viens tout de suite à travailler au doigt pour me faire un petit effet brume un peu plus épais. Donc, vous voyez, je vais travailler jusqu'à ce que ça me plaît et je peux toujours en rajouter. Donc, on n'a pas peur d'en mettre. Hein. On vient se mettre une quantité et après, on vient tapoter et on a un petit effet brume. Bon, là, je l'ai peut-être un peu raté. Pratiquez-vous hein, sur une feuille pour vos effets brumes avant de vous aventurer dans vos colos. Donc ça, hein, c'est super facile à faire et ça rentre dans le challenge aussi. Hein. Vous avez un effet brume à faire pour le Fear Challenge. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous le mets dans le petit i. J'ai fait une vidéo explicative pour cela. Ensuite, donc, effet brume fait, hein, vous allez voir, vous voyez, c'est pas compliqué. Admettons que j'ai cette poupée-là et que je voudrais la rendre un petit peu plus macabre, plus fantomatique. Je voudrais lui faire des toiles d'araignée. Bon, alors, toiles d'araignée. On a deux façons de faire. Vous avez vraiment la façon de, la dessiner complètement. Donc là, j'ai pas de Posca blanc, ça va bien, je l'ai laissé en bas. Bon, je vais voir si lui fonctionne. Non, ma bille, elle est bouchée. Donc, je vais checker celui-là. Ah non, je pense que je l'ai, mon Posca blanc, c'est vrai. Il est là. OK. Posca blanc. Donc, vous avez plusieurs façons de le faire. Hein. Pour faire une toile d'araignée, vous allez faire un petit point. OK. Ensuite, on va faire... vous pouvez utiliser une règle. Moi, je vais le faire vite, là, comme ça. Là. Bon, si vous prenez une règle, ça va aller beaucoup mieux. Donc, on fait... des petites lignes, vous allez faire une étoile. Donc, on fait une étoile comme ceci. Et ensuite, un coup que vous avez fait votre étoile, ben vous allez venir tout simplement faire des lignes comme ceci. Vous voyez? On va faire des petites lignes. Comme ceci. Vous voyez, hein, la toile d'araignée... pas trop facile, pas trop difficile à réaliser. Là, je peux m'en rajouter dedans. Et voilà. Donc, on peut le faire comme ça. Sinon, on peut faire... Vous voyez, j'en avais fait un effet brume ici. Je pense même que je vous l'avais fait en vidéo. On peut se faire des toiles d'araignée un peu plus... moins définies, mettons. Vous voyez, je vais me faire une trace comme ceci. Et après... Bon, là, j'ai attendu trop longtemps. Hein. Faut vraiment pas attendre que le Posca sèche. Donc, on vient tout de suite travailler dans pour l'étendre. Et là, vous voyez, on va faire un autre morceau.
Là, on vient de l'étendre. Et on va rajouter un autre morceau. Et là, bon, hein, y a pas mal de stock sur le sur le dessin, mais si, après ça, je vais prendre mon Posca blanc, qui est plus petit. Et je vais venir un peu tracer pour créer ma toile d'araignée. Donc, vous voyez un peu des toiles d'araignée qui pendent, là, que ça fait longtemps qu'ils sont là. Et là, on peut en rajouter tout plein dans ses cheveux. Vous pouvez faire ça aussi sur des vêtements. Donc, vous faites des petites lignes comme ça. Vous venez tout de suite l'effacer. C'est pour que ça reste. Faut que ça reste quand même un petit peu. Et là, après, ben, vous prenez votre Posca comme ceci. Et vous venez retracer. Donc, vous pouvez faire ça dans un fond. Donc, dans un fond, j'aurais parti, mettons, ici. Là, j'aurais fait, bon, le même mouvement. Hein. Là, je le fais avec mon mince, mais j'aurais... mon mince. mon 1M, mais j'aurais pu utiliser tout de suite celui-là ou après. Hein. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, on vient tout de suite le travailler. Et là, bon, j'ai de la peinture acrylique dans le fond, donc c'est un petit peu plus difficile à utiliser. Mais, vous voyez, hein? Ça va vraiment vous faire l'effet de toile d'araignée. Donc, on fait que des petits zigzags comme ça. Et, ben, vous avez des petites toiles comme ceci. Donc, ça, c'est une autre idée que j'ai eue, que j'avais envie de partager avec vous. Ensuite, on peut aussi faire des yeux de sang. Donc, admettons cette petite poupée-là. Je vais prendre mon Posca rouge. Qui est, ben, c'est pas vraiment un Posca, hein, ça vient du Dollarama. Donc, je vais juste remplir ses yeux tout rouge. Je vous avais dit que c'était des fonds, hein, mais bon, je vous donne des idées pour Halloween, tiens. Donc, on remplit les yeux rouges. Et là, ensuite, admettons qu'on voudrait faire comme si la petite poupée pleurait du sang. On va venir faire des petites lignes. On va faire une goutte dans le bas et on va remonter dans le haut. Et là, peut-être prendre un Posca un peu plus foncé pour faire ça. Il est un peu pâlette, celui-là, là. Mais admettons, on va faire une goutte dans le bas et on va s'en aller plus mince jusque dans le haut. On peut faire une autre petite goutte ici. Et on peut faire aussi quelques lignes rouges dans les yeux pour avoir un portrait vraiment démoniaque. Donc ça peut être une autre idée. Et là, avec un Posca rouge un peu plus foncé, ben je viendrai... mettre, vous voyez, juste retracer un peu mes petites taches de sang. Ça va me donner un effet un petit peu plus, plus réaliste peut-être. Parce que celui-là, je vous dis la couleur, là, c'est le rouge foncé numéro 14 des Posca. Donc voilà, ça peut être une autre idée pour rajouter à vos colos pour Halloween. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai besoin de quelque chose, je vous reviens. Aussi, avant qu'on passe à mon autre idée, on peut rajouter des petits trucs dans nos toiles d'araignée. Donc, vous prenez un Posca noir ou un stylo noir. Faites attention de ne pas avoir des colos recto verso si vous prenez autre chose que des Posca. Vous pouvez vous rajouter des araignées. Alors, pour faire les araignées, là, facile. Hein? On fait un rond et après, vous venez faire des petites pattes. Comme ceci, tout simplement. Vous les faites tout petites. Et là, vous pouvez en mettre tout plein. On met un petit rond, on fait trois petites lignes de chaque côté. Et là, on en met tout plein dans les cheveux. Donc, ça peut faire très Halloween. On peut en faire des plus grosses. On fait un plus gros rond. Et on va venir faire trois petites lignes de chaque côté. Voilà. Donc, on peut en mettre tout plein hein, dans ses cheveux. Comme ceci. Et là, même chose, hein, si vous avez envie de vous faire des lignes d'araignée, vous pouvez faire ça aussi dans les fonds. Donc, je sais pas, moi, mettons qu'ici, ça serait mon fond. Là, j'ai plus beaucoup de place sur mon colo. Mais bon, je me fais plein de petits points. Comme ceci. Et là, ben, je me fais des lignes d'araignée. Vous pouvez même leur rajouter des petits yeux si vous avez envie. Vous leur mettez deux petits points blancs. Donc, on peut se faire des lignes d'araignée comme ça dans les fonds. Ça peut être intéressant. Donc là, on passe à mon autre idée.
Donc, autre idée que j'ai eue, des feuilles d'automne. Hein, ça tombe ici au Canada. Donc, vous pouvez prendre des feuilles d'automne ou, ben, pour tout simplement, vous prenez de la colle, vous venez les coller dans votre colo. Vous pouvez faire ça. Bon, peut-être plus idéal de le faire sur des PDF, hein, si vous n'avez pas envie d'avoir des feuilles dans vos colos. Sinon, il y a la petite technique qu'on faisait quand on allait à l'école. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais on met la feuille d'automne en dessous de notre feuille. Et ensuite, on essaye de savoir où ce qu'elle est, hein, parce que là, c'est pas évident. Ça va me prendre quelque chose en dessous. Hein? Oui, là, je la vois. Je la voyais pas tout à l'heure à cause de mon bureau. Donc, on se met du blanc, hein, dessous. Et là, ben, on vient tout simplement. On n'appuie pas, hein? On vient retracer la feuille sur notre colo. Et là, vous pouvez effacer, hein, avec le crayon si jamais la feuille sort pas vraiment comme vous voulez, vous avez des trucs qui dépassent, ben vous pouvez venir effacer les contours. Donc, on peut se rajouter des petites feuilles d'automne dans nos colos en fond. Et ça peut être très joli. Vous pouvez en rajouter plusieurs. Vous pouvez venir mettre un effet brouillard un petit peu par-dessus. Vous avez envie de mettre des petites araignées. Vraiment, vous pouvez vous amuser. Vous ne savez pas qu'on pouvait faire ça, mais. Non. On faisait ça à maternelle, nous autres. En tout cas, moi, quand j'étais petite, je l'ai déjà fait. Donc, vous voyez, vous mettez la feuille d'automne dessous votre colo, au fond. Et vous la mettez sur le côté à l'envers, hein, parce que si vous la mettez sur ce côté-là, là, elle vous fera rien, elle vous fera pas de ligne. Donc, il faut vraiment mettre la feuille à l'envers et ben, vous venez tracer. Vous pouvez vous amuser à en mettre un peu partout dans votre fond. Donc, voilà, les amis, j'avais des petites idées comme ça. Si j'en ai d'autres qui me viennent, ben, je vous ferai une autre vidéo. Bon, peut-être que vous avez déjà vu ces idées-là, ça se peut. Mais bon, moi, j'ai eu ces idées-là, donc je me suis dit, je vais les partager avec vous. Je vous avais dit que j'allais vous aider un peu pour le Field Challenge. Donc, ça peut peut-être vous inspirer pour certains de vos colos si vous êtes pris dans vos fonds ou que vous savez pas trop comment rajouter un peu d'horreur dans vos colos si vous faites des transformations. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez essayer certains trucs que je vous ai montrés. Si vous avez d'autres idées aussi, n'hésitez pas à me les partager. Ça va me faire super plaisir de lire ça et aussi d'essayer. Donc voilà, alors c'est tout pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazou qui est sur Facebook. C'est mon groupe de coloriage ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt. Veux-tu dire avec moi? Dans une prochaine vidéo! Bye bye!